your try. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. Wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you brokenhearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well. So well, yeah. Salut les gars, bah regardez, il est quelle heure? Il y a qu'à voir, 5h56. On prend la route là, direction chez Jean-Rémy, un abonné à moi que j'avais filmé plusieurs fois. Donc je vais le rejoindre chez lui et sa copine Colombe pour pouvoir aller directement ensemble au gros râceau de Voiron. Donc là j'ai une petite demi-heure de route jusqu'à chez lui. Après on a encore une demi-heure de route. Donc ce matin le réveil il a été un petit peu dur. En plus de ça, j'ai regardé la météo, ils annoncent pas très beau, donc franchement, on est motivé pour un dimanche, hein. Puis c'est pour vous qu'on fait ça. Hein. Et du coup, bah, pour la chaîne YouTube également, pour partager une belle vidéo, voilà, pour ceux qui dormiront. Donc nous les gars, on est au charbon de bon matin. Bah écoutez, on se retrouve directement au râceau. Et voilà les gars, on est arrivé, il est 7h30, il y a pas mal de monde, Junior est devant. Derrière, il y a un joli petit convoi, Camaro, Supra, M4, Colombe, la Porsche. Il y a pas mal de voitures déjà, donc nous on fait la queue pour pouvoir aller s'installer. Puis après, je vous filme un peu de tout en extérieur. Bon bah les gars, ça y est, on est arrivé au rassemblement. Hein. Il est 7h30, alors à 7h35, hein, on a un petit peu de retard. Donc les voitures commencent à arriver, au final on est tous un petit peu en retard aujourd'hui. Là le ciel est au rendez-vous parce qu'ils annonçaient beaucoup d'orages. Donc là la A8 elle est en mode lavage parce que avec une heure de route que j'ai fait, j'ai pris plein de moucherons. Donc là il y a l'équipe qui est venue, enfin avec qui je suis venu du coup là. Junior et sa copine. La Ford elle est là. La S3 elle est là. Il y a de magnifiques voitures. De toute façon je vous filmerai un peu plus en détail dans la matinée et dans la journée. Là vous avez une magnifique M3 que je dois filmer juste après. Donc voilà. Bon les gars, on est au rassemblement, on vient de récupérer le numéro. Donc pour ceux qui se rappellent, l'année dernière j'avais le 59. Cette année j'ai le 56. On y va frérot, on va l'installer. Donc dédicace à Alan hein, qui tient la caméra. Alan, si tu veux donner tes réseaux, j'en sais rien. Ouais, moi je reste discret. Reste discret, mais il est gentil frérot, il m'a nettoyé mes vitres tout à l'heure. Chaque année je me fais nettoyer les vitres. L'année dernière c'était une fille, et cette année bah, c'est Alan. Et c'est vraiment poussin. Tu l'avais vu ma vidéo de l'année dernière? Non. Oh t'es pas un abonné fidèle. Tu vas l'être maintenant. Les gars, on a posé le chiffre. Voilà, je peux filmer la S3 du frérot, hein. Ouais. Le caméraman derrière, photographe. Hein? Comme là, toujours au milieu. Tu vois, toujours. Tu peux filmer la M3 qu'on verra bientôt sur la chaîne. Regarde. Voilà, M3 verte et Java, les gars. Peu de modèles dans le monde. Voilà, couleur unique. Je la filmerai prochainement sur la chaîne. Donc là il y a de la GTR, Camaro, etc. J'ai vu une Liberty Wolf tout à l'heure passer. J'ai vu la Liberty Wolf passer. Ah oui, on va aller la voir. Ça te dérange pas gros de filmer? Sinon je reprends le. Juste pour le parking. Ouais, c'est ça. Comme ça tu peux faire les plans. Voilà, ça j'aurai des beaux plans. Donc grosse dédicace à Alan les gars, je compte sur vous dans les commentaires, vous mettez Alan, merci à toi frérot, t'as fait des beaux plans. Ça c'est bon. Ça c'est bon, super. Ah. À 45, il me semble. Avec ouais, un joli coloris. Je sais pas si c'est une AS. Elle est belle comme ça. Chevrolet Camaro, GTR. Enfin, il y a de la caisse quoi. M4, Focus, Porsche, Mini Cooper. GT3 RS, la STO. Petite Audi TT qui fait plaisir. Porsche, Golf GTI. Regarde la GT3, elle est magnifique. Celle-là, Huracan. Alors c'est du performance de chez performance là ou pas? Elle est belle. Hein. Il s'est fait accrocher par une trottinette hier. Ah oui j'ai entendu, donc monsieur, madame, jeune homme, je sais pas qui est propriétaire. Monsieur. Force à vous monsieur. On m'a parlé de votre histoire et sachez que je suis profondément désolé pour vous. Et c'est où ça s'est passé?
Je sais pas, j'ai pas vu, mais je l'ai vu arriver tout à l'heure. Et donc là, Liberty, là Walk. Liberty Walk, regardez les gars, c'est un truc de malade. Regarde l'épaisseur des roues, le rond, l'aileron. Magnifique, hein. Ouais. On dirait une grosse voiture téléguidée, mais en grosse voiture, une vraie voiture. Les, comment ils s'appellent, les Hot Wheels. Les Hot Wheels, elle est belle, hein. Ah putain. La taille des tout. Oh les gars, regarde. C'est du 355 sur 20, c'est du 25 pouces. Non, en flanc c'est 25, hein? C'est du 21. Ah oui, pardon, c'est du 21, c'est la largeur, 25, pardon. La taille des jantes, non, elles sont incroyables. Enfin, la hauteur. Le déport, pardon. Oh le déport. C'est du déport, là. Là, le prix de la jante, je te dis même pas. Une angoisse, tu la frottes, tu pleures. Ah ouais, donc là, McLaren, il y a encore de la petite caisse. Petite Élise, ça c'est efficace sur circuit, attention. Hein. Ah ça, ouais. Je les ai vus la semaine dernière. Enfin, voilà. J'ai des 3 RS. Bon les gars, j'ai complètement pété un câble. La voiture du transporteur, elle est là, hein. La vraie du film, avec Jason Statham. Salut. Il manque juste le papier à côté de la signature de Statham. Bon, l'équipe de Jean-Rémy, voilà, la copine Colombe, et de la bonne caisse. Voilà, Peugeot, PSA. D'abord, regardez, magnifique RS4 rouge ABT. Elle est vraiment magnifique, les gars, regardez. Jante noire comme ça, joli détail. J'aime beaucoup. Là-bas, la 45, vous l'avez vu. Donc, voilà, voilà. Là, on attend. Là, on va aller faire le tour de reconnaissance. Il y a un peu de monde, il y a pas mal de voitures. Donc, voilà. Elle vient de Dubaï, elle est arrivée hier. C'est allé à faire hier. Magnifique. Une Viper, les gars. Professeur Folding. Une Shelby. Ça me rappelle tellement le souvenir. Non, moi c'est Professeur Folding la Viper. Je sais pas pour vous. Non, mais la Viper en fait c'est surtout la voiture qui m'a fait perdre mon permis le premier jour que j'ai eu. Non. Si. Arrête tes conneries. T'as déjà perdu le permis? Premier jour. Non. Elle était avec qui? Un ami à moi qui est venu avec. Il m'a fait eh, vas-y, fais un tour. Bah, tu savais comment ça arrache. Ah, bah ouais. Combien de chevaux ça fait ça? C'est quoi? Au fait, comment ça va, Jean-Rémy? Ça va. Il faut bien que vous filmez au bout d'un moment. Après ouais. Colombe, ça va? Mais je m'en fous, je mettrai quand même. Ça a été pas. C'est le bazar, mais ça va. C'était pas trop dur ce matin le réveil? Si, on s'est couché tard. On s'est couché tard et. Contente de me voir? Oui, c'est plaisir. J'ai ramené. Quand je t'ai vu arriver à la maison ce matin. Ouais, tu t'es douleur. À la banane là. Ouais, c'est bien. Le bon matin comme ça. Ouais, non, là on attend. On attend. Briefing, On attend, puis les gars, on filmera après, attention. Hein. Oui. C'est le bordel. Donc là les gars, on est parti faire le tour de reconnaissance. Je suis en train de suivre une magnifique M6 que vous verrez prochainement sur la chaîne. Voilà. On est à bord de la 8 tranquille. Comme ça on vérifie la route. Et au moins après on peut faire les baptêmes. Donc regardez les gars. Voilà, il y a plein de caisses. Donc on a fait le petit tour de reconnaissance. Et moi, sachez qu'en faisant le tour de reconnaissance, je me suis aperçu de la fumée qui s'échappait de mes roues avant gauche et avant droit. Donc, je pense que c'est les freins. Donc, c'est pas endurant comme voiture. Hein. Faut faire gaffe, hein, parce que là, il y avait beaucoup de virages. Donc, beaucoup, je freinais. Tac, tac, tac. Donc, là, 8, la prochaine fois, je ne l'emmènerai pas pour les baptêmes. Ça me fait peur. Hein. Je vais cramer sur place, frérot. Hein. Faut faire gaffe. Donc, là, on a fait le petit tour. On a juste à attendre les gens qui veulent venir dans la 8. Après, il y a plein de bolides. Avant qu'on vienne dans la 8, ils vont tous aller monter dans les autres bolides. Il y a des Huracans, il y a de la... qu'est-ce qu'il y avait en grosse voiture, je parle GTR, M6, S3, RS3. Enfin, de toute façon, c'est que des grosses voitures. Donc, ça fait plaisir. Bon, les gars, regardez, il y a pas mal de monde. Il est 11h. Voilà, les baptêmes, ils ont toujours pas commencé, frérot. Voilà, il y a grave du monde, il y a des gouttes sur le pare-brise. Donc j'espère que le temps sera au rendez-vous. Là, on a fait le tour de reconnaissance, on va se regarer. Et puis après, on attendra la clientèle, frérot. Regardez les gars, le monde qu'il y a au rassemblement. Il y a plein de monde, il y a plein de gens. Voilà, ça fait plaisir. Bon frérot, je vous explique. Là, il pleut, bref. Il y a une ligne à gauche pour les moins de 400 chevaux et à droite pour les plus de 400 chevaux. A ton avis, je me suis mis où, frérot? À droite, bien évidemment. Grosse Lambo à plus de 700 chevaux devant moi, GTR derrière. On s'en fout, moi j'ai 400 chevaux. Ah, mais je les ai, hein. Je les avais, mais là, suite à la carto, là, c'est bon. Hein. 810 Nm, frérot. Oh. Ah là, ils vont tous venir avec moi comme ça. Allez, venez. Allez, je vous attends.
Bon les gars, on a le premier frérot du baptême. Ça va frérot? Salut gars, ça va? Bienvenue à toi hein. Merci. Du coup, comme tu me disais, en plus tu suivais sur YouTube. Donc il est monté dans la 8. Bon là les gars, on a un peu le mauvais temps, donc on va faire quand même attention. Je crois que c'est là hein. Non, c'est non, ça après, ça après. Ça après. T'es du coin? Ouais, moi je suis une heure d'ici où donc, tu sais. Tu sais à peu près. Ouais, bah, là, j'ai parce qu'on a fait le tour de reconnaissance tout à l'heure, mais ouais. Tu sais, je suis un peu paumé maintenant. T'inquiète, ouais, non, c'est après. Ouais. C'est après. Ouais. Donc ça va, ça marche bien la 8 là sur la petite accès. Ça pousse fort. Ça pousse fort. Et du coup. Bon les gars, regardez, hein, ça fait déjà 20 minutes on attend. On est obligé d'attendre qu'une partie de voiture descende pour qu'on puisse monter. Donc moi je suis garé là-bas. Hein. Voilà, ils sont tous là. Il y a pas mal de monde. Regardez frérot, regardez comment je suis. On a sorti le parapluie au lit. Regarde. Regarde. On le casse les couilles à la McLaren. Je me mets au milieu. Attends. Qu'est-ce que c'est derrière là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La petite Alpine. Ah, la petite Lambeau, la petite Lambeau, la petite Lambeau orange, jaune. Ça va gros? Nickel. T'as aimé? Ça pousse. Ça pousse très fort. Fort. Qu'est-ce que tu dirais aux gens s'ils veulent venir dans la A8? C'est quoi les sensations? Ouais, c'est très goubleux, collé au siège. Ouais. Collé au siège. Collé au siège. Moi ça m'a fait plaisir en tout cas. En plus on avait la pluie. On essayait de faire gaffe au maximum. Donc, tu as des réseaux sociaux à partager? Pas en voiture, non, rien d'intéressant. Non, t'as rien. Et ben n'hésite pas le jour où t'as un beau bolide, tu viens me voir. Ça marche, c'est noté. Les gars, on continue la vidéo. Bon bah les gars, on est au rasso en hauteur, comme ça vous voyez toutes les voitures. Vous pouvez pas dire j'ai rien filmé, hein. On les voit là. Regardez là, il y a la A8, elle est devenue voiture électrique. Et là, regardez, on doit se mettre là-bas. Du coup, et bah pour attendre les gens qui veulent faire des baptêmes. Donc la belle A8, elle est là. Hein. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, il commence à pleuvoir énormément, donc moi je vais pas tarder à rentrer. Je voulais remercier toute l'équipe de Voir Motorsport. Je voulais également remercier l'association caritative Isère Espoir contre le cancer, ou Espoir Isère contre le cancer. Merci à vous, merci à Gaël, à Jean-Rémy, à Colombe, à toute l'équipe. On n'a pas pu se dire au revoir les gars, vous allez vous reconnaître, car je dois partir malheureusement, il pleut, moi j'arrête les baptêmes. J'en ai fait un ce matin, voilà, c'était super cool. L'abonné qui est monté avec moi en voiture, c'est un abonné de la chaîne, ça fait plaisir, donc force à toi. Et je tenais à préciser, aujourd'hui il y a eu un accrochage, un accident. Je ne sais pas s'il y a eu blessé léger, blessé grave. Donc, je tenais à donner tout mon soutien aux personnes, ça fait vraiment chier, donc faites gaffe sur les routes. Et puis sinon, bah, moi j'étais content de venir à cet événement. Je remercie également les frérots qui m'ont fait essayer leur voiture pour les présentations YouTube. Donc ils se reconnaîtront en vidéo. Et si vous voulez passer sur ma chaîne, vous avez le petit compte Instagram qui s'affiche juste ici. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager, de laisser un pouce. Et merci encore à tous et passez une bonne journée ou une bonne soirée. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.